est où ce régisseur, bordel? Déjà 11h et toujours pas de combat? Mais il a dû se tailler avec nos sous, quoi. Ouais, t'as raison. Sinon, où est-il? Voilà que ça commence. Un autre chapitre de la rébellion qui s'ouvre dans cette prison. Ils nous diront peut-être qu'il dort. Ou qu'il a eu un malaise. Mais dans les deux camps, on s'en tape. On s'est endetté pour ce combat. Et il est hors de question. J'étais bien hors de question. Que ce tournoi s'arrête à mi-chemin. Ouais. Pas qu'il reste une fois chez lui, ce régisseur de merde. Tu me dis pour que ce combat soit annulé, Jojo. Tu peux dire ce que tu veux. Mais le combat de ce sorcier, bah je le sens pas. Écoutez, et même si ces combats doivent s'arrêter, on doit nous restituer tous nos défis. Ouais. Ah oui. On doit nous restituer notre pognon. Ouais. Allez les amis, criez avec moi. Notre argent ou les combats? 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 Arrêtez! Écoutez-moi. Le tournoi n'est pas terminé. Le tournoi va continuer. Ah oui? Et il est où ton foutu complice? Tu peux nous garantir qu'il ne s'est pas taillé avec notre pognon? Votre pognon. Votre pognon. C'est combien votre pognon? Vous pensez qu'il va sacrifier sa carrière pour les miettes que vous avez cotisées? Quoi? Des miettes? À ton avis? Moi, j'ai dit non. Ce régisseur est comme un père pour nous. Avant qu'il n'arrive ici, c'était du bordel! C'était du chaos! Il n'y avait pas un seul jour qui passait sans qu'on s'entretue entre nous! Mais il a su nous parler. Il a su nous diriger, nous guider. Et tout cela contre aucune contrepartie. Alors, les gars, je vous demande d'être patients. Il viendra. Si c'est pas aujourd'hui, il viendra demain. Et vous aurez vos 3 combats. Bangando. Ne me parle plus jamais sur ce ton. Mal à l'aise. Je ne suis pas ton ami. Et si une seule fois, tu as cru le contraire, c'est que tu te gourres véritablement. Ouais. À votre attention, s'il vous plaît. Le combat d'aujourd'hui n'aura pas lieu. Et peut-être la suite du tournoi. Parce que le régisseur a démissionné. Oh. C'est absurde, ça. Samba. Samba, respect, obéissance absolue. Samba, 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 samba. L'administration pénitentiaire va nous envoyer quelqu'un d'autre pour le remplacer. Vous avez entendu ça, les gars? Ils se sont bien foutus de nous! Ouais! 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 Ouais!
Et toi? Qu'est-ce que tu as à nous dire maintenant, chef? C'est ce qui arrive lorsqu'on ment longtemps au peuple. Et un matin, bam! On est rattrapé par ce dire. Et on ne sait plus comment faire pour regagner la confiance de ces gens. Sale canard! Bangando! Arrête-moi ton barateur! Et boucle-moi ta soupape! Depuis quand oses-tu me parler de cette façon, Banga? Tu peux tenir 10 secondes face à moi? Impossible! J'en doute fort! Et vous, écoutez! L'heure est venue de passer le flambeau! Il n'y a plus de chef ici! Bangando, je t'en veux pas, je te comprends. Tu as dû t'endetter partout, ci et là, pour parier. Et aujourd'hui, tu sais pas comment faire pour rembourser tout cet argent. Mais sache une seule chose. Tant que tu vivras ici, dans ce trou arabe avec nous, aucun de tes créanciers ne te fera quelque chose. Va te faire foutre, mal à l'aise. Va te faire foutre, je dis. Va te faire foutre. Ouais. Hé, vous là. Si je pouvais avoir 2 œufs pourris de poule de village, j'aurais dû vous enfiler 2. Comme ça, me bénéficier de sa saveur. Ouais, c'est ça. C'est ça. On en a marre. On s'en va, le mec. Ça ne sent pas bon par ici, les gars. Tous les durs de cette prison en veulent après nous. Les gars, si nous sommes unis, rien ne doit nous arriver. Dites, qu'est-ce qu'on gagne en restant avec un homme aussi souvent? Vous nous avez entraîné dans un plan dont on ignore les tenants et les aboutissants. Il a raison, mon général. Dites-nous exactement ce que votre âme est. C'est le moment vide le ventre, Padre. Crache le morceau. Ce que je veux, c'est un nouvel ordre dans cette prison. Et le changement immédiat du régisseur. Samba, Samba. Si je comprends bien, général, c'est à cause de vous qu'il a démissionné? Oui. Je l'ai fait enlever et par la suite, je l'ai fait démissionner. Samba, Samba. Général, vous avez fait tout cela étant ici? Oui, mon petit. Grâce à ce petit téléphone, je peux faire tout ce que je veux étant ici. Désormais, nous pouvons vivre comme des rois et avoir l'autorité sur tout le monde. Les gars, je vous veux avec moi et on fera une belle équipe aux commandes de cette prison. Que les choses soient un peu plus claires, général. Si on se joint à vous, c'est uniquement parce qu'on veut la chute de Malalaise et de son troupeau de bœufs. Écoutez, moi je ne veux pas la place de Malalaise. Tout ce que je veux dans cette prison, c'est la tranquillité. Alors là, chacun aura ce qu'il veut. Allez, dis-moi. Qu'est-ce que tu mâches en longueur de journée? Hein? Fouille-le. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, collez la paix à ce môme, enfoiré. Laissez-le tranquille. Du poisson fumé. Oh non, du chien. Bon appétit. Gamdem. Lâche-moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Oublie cette rancœur que tu as envers moi, mon ami, et écoute ce que j'ai à te proposer. Tu n'as rien à me proposer. Tu n'as aucune parole, Samba. Tu n'es pas digne de confiance. Je ne voudrais pas que tu regrettes le moment venu. Le moment venu? Qu'est-ce que cela veut dire? Gamdem, une tempête se prépare. Et je veux que tu sois de mon côté quand elle arrivera. Sinon, tu vas le regretter et il sera trop tard. Il faut que je me tisse d'ici.
Pardon? Ouais. Il faut que je trouve comment sortir de cet enclos. Laisse-moi faire un tour. Non, 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 non. Pas avant m'avoir dit ce que tu mijotais avec le général. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je vous ai vu. Je vous ai vu vous faire une causette. Ouais. Ils voulaient que je sois de leur côté, le moment venu. Il se peut qu'ils préparent quelque chose. Ah ouais? Quelque chose comme quoi? J'en sais rien, moi. Il m'en a pas parlé. C'est chez toi que je venais, Camden. Moi aussi, c'est chez toi que je venais. Comment ça? Écoute, j'ai beaucoup réfléchi par rapport aux paroles du général de la dernière fois. Ah ouais? Je suis sûr que c'est lui qui est à l'origine de ce qui se passe maintenant. Vas-y, explique. Il m'a dit ceci. Je dis précisément ce qu'il m'a dit. Camden, oublie la rancœur qu'il y a entre nous. J'ai une proposition à te faire. Oui. Il m'a dit qu'une tempête se préparait, que je suis son ami et que je dois être à ses côtés le moment venu. Il t'a vraiment dit ça? Oui, il me l'a dit. Et quelques jours après, le régisseur a démissionné. Waouh! La vache! C'est clair que c'est lui qui est derrière tout ce qui se passe. Et il ne faut surtout pas le laisser prendre les rênes de cette prison. Qu'est-ce que nous allons faire? Il a des hommes avec lui. Nous aussi, nous avons mal à l'aise. Yep. Et s'il ne fait rien, il va perdre sa couronne. Dans ce cas, allons directement voir mal à l'aise. Cool. Banga, tu as vu à quel point notre autorité est menacée? J'ai vu boss. Faut qu'on arrange cela avant l'arrivée du prochain boss. Il nous faut des alliés. On a des alliés. Je ne parle pas seulement de Jojo et Kolo. On n'a pas le temps de recruter. Jojo et Kolo ont des hommes qui sont prêts à le suivre. Kala et Kandem sont de notre côté. En plus, nous avons tous une dent contre cette bande d'arrogants. T'as vraiment de la chance. Ton combat et le tournoi sont annulés. Mais ça ne change rien à la situation. Ces nouveaux sont en train de gagner du terrain. Et si nous ne faisons rien, ils deviendront le nouveau chef. Oh, la laisse ne permettra jamais que cela arrive. T'es complètement aveugle ou quoi? Hein? Ça saute aux yeux que Malalaise est en train de perdre du terrain. T'as raison. J'ai vu la manière que Bangando s'est adressé à lui tout à l'heure. Voilà. Il faut qu'on attaque immédiatement. Sinon, il n'y a pas que lui qui perdra. Qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Écoute. On ira voir Malalaise pour une attaque immédiate. Et ainsi, nous pourrons faire taire ce champion et récupérer Djemebo. Ça marche. Hey, salut les gars. Bonjour Kamdem. Vous arrivez à temps. On a besoin de vous.
Le général et ses alliés prennent du terrain. L'annulation de ce tournoi doit nous permettre de mettre certains points sur les i. N'oubliez pas que ce sont les gars physiquement forts. Nous devons les gagner par le nombre. Ne vous inquiétez pas. Nous serons trois fois plus nombreux qu'eux. J'ai les gars prêts à me suivre. Content de t'avoir parmi nous, mon frère. Moi aussi, mon frère. Il faut qu'on en finisse avec ces gars. J'ai hâte de broyer ce champion. Moi aussi. Ok, le temps presse. Si on doit attaquer, c'est maintenant. Boss, je préfère qu'on gère d'abord Bangando. Bangando n'est pas un problème. On s'occupera de lui plus tard. Mais boss, vous m'avez dit que je ne suis pas qu'un simple coussin auprès de vous. Je crois qu'il faut d'abord gérer Bangando. Je comprends ta préoccupation. Mais on réglera son problème plus tard, ok? Ok, boss. Ok, c'est bon. C'est quoi le deal entre partenaires? Ok, le deal est assez simple. Jojo récupère Tienebou et son affaire de bras de fer. Moi, je reste le chef des détenus. Et quant à toi, Kala, le général, il est à toi. Moi, ça me va. Le général est à nous. Et moi, ça me va. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y, les gars. Cette cour n'est pas souvent aussi calme. Il est clair qu'il se prépare pour nous attaquer. Nous devons les surprendre avant. Tu as raison. Attaquer en premier nous donne la chance de les neutraliser. Dans ce cas, on y va. Et que la terreur commence. Allez. Hey. Toi, tu restes. On ne peut pas s'amuser. C'est une question de vie ou de mort. Vous partez combattre. Il n'est pas question que moi je reste là, voyons. Ça va partir bientôt par ici. Il n'y a même pas une église dans cette putain de prison pour que j'aille m'y cacher. Et s'il y en avait d'ailleurs, le Christ sortirait par la fenêtre en me voyant entrer par la porte. Face à ce dilemme, pour m'en sortir, il ne me reste que mon petit chapelet et mon nouveau code pénal du Kachunga. Car il a été dit, protège-toi et le ciel te protégera. Où est-ce que vous allez comme ça? On venait vous chercher. Ça tombe bien. Nous aussi, on venait vous chercher. Eh ben voilà, vous nous avez trouvés. Qu'est-ce que vous voulez? Si t'as pas remarqué, si tu poses aucune question. Chant. Bien. Et nous sommes trois fois plus nombreux que vous, si vous n'avez pas remarqué. Et maintenant, qu'est-ce que vous dites?
Sache que les hommes qui sont devant toi ne sont pas de poules mouillées. Bluffeur. Je connais votre petit jeu. Vous n'êtes que des bluffeurs. Ouais. C'est toi qui le dis. Ah ouais, nous allons nous battre jusqu'au bout. Arrêtez les jacassés. Vous venez ou pas? Ça, c'est du bon. Ils bluffent pas. Occupons-nous d'eux. Vous m'avez oublié. Bangando, si vous n'êtes pas avec nous, alors tirez-vous. Si je ne suis pas avec toi, c'est que je suis avec les autres espèces de tocards. Et toi, tu te souviens de ce que je t'avais dit? Est-ce que tu peux tenir 10 secondes contre moi? Oh! Pourquoi m'utiliser une latte quand je peux te battre? Tu connais ta place dans cette prison, ouais. Tu rentres dans ton cachot où tout le monde s'occupe de toi. Ouais, ouais. Yes. Dégage. Attends. Allez, dégage. Attends. Loupard à la noix. Dégage. Dégage. Bouge de là. Dégage. 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 Allez, dégage. Va-t'en. Dans ton cachot, je dis. Dans ton cachot! J'ai dit bien la moindre bavure. L'initié ou les initiés seront immédiatement fusillés en plein jour dans cette cour et en présence des caméras. J'aurais dû t'écouter, Manga. J'aurais dû t'écouter, Manga. J'aurais dû t'écouter.